Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay très particulier, cher Ryu. Évidemment, vous avez, je pense que vous avez reconnu ma voix. Tout simplement parce qu'il s'agit de mon dernier gameplay en fait, effectué sur YouTube. Un gameplay particulier pour deux choses. Dès que je dis dernier, évidemment, ça veut dire la chaîne, ça veut pas dire que la chaîne s'arrête ou quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est-à-dire mes camarades et ceux qui ont repris le relais vont continuer à faire en sorte que la M3 continue à être présente et à perdurer tout simplement. Là aujourd'hui on se retrouve sur un gameplay très très particulier. Bon, comme je vous ai dit, c'est l'an dernier. Et tout d'abord, dans un premier temps, je souhaiterais dire un grand remerciement à mon allié de toujours, Sauvage, avec qui on s'est tué pendant 10 mois, 24 heures sur 24, pour qu'aujourd'hui on puisse laisser la M13 en fait, parce que tous les deux on a besoin de repos tout simplement par rapport à nos vies familiales, parce qu'on commençait un petit peu à saturer. Donc on a laissé le relais à Alexandre, Ekdemaom, à Valenja et j'en passe, ils se reconnaîtront tous. Et un gameplay particulier parce qu'il s'agit en fait tout simplement des gameplays de Monsieur le V12, avec la TNT évidemment, avec les membres de la TNT. Et deux membres MB13 en fait. Je vous explique ce qui s'est passé en fait tout simplement, c'est que les membres MB13 qu'il y a, que vous allez voir dans la vidéo, c'est donc Ekdemaom et un petit nouveau qui venait d'arriver juste après mon départ, donc je n'ai pas pu faire sa connaissance en fait, pour être honnête avec vous. Playgeek en fait, qui était justement une copine de Ekdemaom et qui a eu la chance de rentrer donc dans la team TNT, et du coup ils ont pu jouer en ligue en fait avec Monsieur le Brutus. Et c'est pas un fake, c'est le vrai, je tiens à le dire quand même. Vous verrez d'ailleurs, vous voyez d'ailleurs, je fais exprès à chaque fois dans la vidéo qui a été enregistrée de bien montrer que c'est lui, que c'est pas des conneries. À la fin de toute façon je vous ai mis les statistiques et tout ça, ses propres statistiques perso et tout ça. Donc en fait ils ont eu la chance de jouer en ligue ensemble, donc deux membres M13 et deux membres de la TNT, notamment Monsieur le V12 dans le lot. Bon, évidemment ce faucheton de Mahom, mais bon je vais pas lui en vouloir, n'a pas hésité à changer son tag clan MB13 et de mettre TNT. Bon, il est contre Tyre, contre son idole et tout ça. Bon, c'est pas grave, on va pas lui en vouloir. C'est pas bien grave. Donc en gros là on va commenter le gameplay en fait de Monsieur le V12. Donc, c'est-à-dire c'est très, je pense que c'est très particulier pour vous parce que voilà, Monsieur le V12 il a besoin de personnes pour commenter ses propres gameplays. Et puis bah mais il sélectionne souvent ses gameplays, ses super gameplays pour les commenter. Je pense qu'il va pas mettre n'importe quel gameplay sur YouTube. Là justement en fait on va commenter trois gameplays, c'est-à-dire un qui est sur standoff. Un qui va être sur Slums et un sur Meltdown. Et donc on va voir en fait tout simplement Monsieur le V12 en train de jouer. Je me suis mis exprès sur sa vue à lui en fait. Vous allez voir de toute façon dans la killfield, dans tout ce que vous allez voir. Donc vous allez apercevoir les membres MB13, des Mahom, le petit nouveau. Là vous voyez évidemment que c'est bien Monsieur le V12. Je tiens quand même à préciser que c'est pas une fake. Voilà, c'est le vrai. Donc ce que je vais faire, je vais m'amuser à commenter en fait pour la dernière son gameplay à lui avec les membres MB13 et évidemment vous parler un petit peu des raisons qui m'ont amené à justement faire une pause en fait tout simplement avec la team, de laisser mon lead entre guillemets leader Alexandre et puis Sauvage idem qui a besoin de se reposer. Voilà de ce qu'on va parler. Donc là c'est assez particulier de commenter le gameplay de notre joueur comme ça, surtout un youtubeur connu. Bon, je l'ai déjà fait évidemment avec mes propres membres de la team. Le problème c'est que moi en fait je vous le dis honnêtement, c'est que mes propres membres de la team, Rikshu et compagnie, je sais comment ils jouent, donc je connais leur méthode et tout, donc j'ai pas de difficulté, on va dire, à commenter leur gameplay. Or, que nini, ici on se retrouve quand même avec Monsieur le V12, le célèbre youtubeur, tout le monde des fans et tout ça, etc. etc. Donc là évidemment on a un arrêt sur image parce que bon évidemment le gameplay je l'ai laissé, je l'ai balancé tel qu'il était. J'ai pas cherché à partir sur un autre joueur à des moments ou quoi que ce soit et tout ça. J'ai laissé tel qu'il était, j'ai enregistré les trois gameplays, parce que de toute façon mon Elgato aussi, c'est Alexandre67 qui le récupère. Donc c'était une de mes dernières captures en fait que je faisais tout simplement. On va dire qu'il a pas fait long feu mon Elgato parce qu'il m'a duré quand même moi.
Donc voilà. Mais voilà. Donc là, on arrive sur lui, il joue avec une scorpion et tout ça. Moi, personnellement, je vous dis sincèrement, à titre personnel, c'est, je vais parler en toute franchise, hein, je ne vais pas faire le fou cul. Ouais, monsieur V12, moi, je n'aime pas Tengoufet et tout ça. Tout le monde l'adore, tout le monde la jule et tout ça. Il n'y a pas de souci. Moi, à titre personnel, quand je l'ai vu jouer, voilà, là, vous voyez, de toute façon, je fais exprès, j'appuie sur Select pour qu'on voit bien la présence d'Aïk Demand, de monsieur V12, de U8 par rapport à Pegeek, et notre petit nouveau, que j'ai du mal avec son pseudo, mais de toute façon, on va voir sur son emblème à un moment donné que c'est bien marqué MB13. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, j'ai ce qui est assez particulier quand même, parce que on est, si vous voulez, on a été à la chasse, on était à la chasse depuis 10 mois avec Sauvage, justement, pour que la team puisse perdurer, exister, et puis avoir vie, que la chaîne puisse exister, que toutes les choses puissent exister, que les joueurs deviennent, justement, qui vraiment, on a des joueurs compétitifs, etc., etc. Et ce qui a été rigolo quand même, la particularité de cette vidéo, c'est qu'en fait, j'ai rencontré, donc, monsieur le V12, en fait, tout simplement, un jour après avoir arrêté la team. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est-à-dire, quand j'étais dedans, en train de me tuer, à vouloir prendre contact avec les célèbres youtubeurs, blablabla, et tout ça, etc., etc., eh ben, ça donnait rien. Eh ben, le jour où je m'arrête de jouer, en fait, je me crée un compte, d'ailleurs, bon, à la base, ça devait être un compte secret. Finalement, je vais plus l'utiliser, je sens, parce que je joue au snipe sur ce compte-là. Donc, j'avais créé un compte MB13 double-ghost. En fait, donc je me connecte, évidemment, j'avais zéro ami sur ce compte-là, aucun membre de la MB13, ni quoi que ce soit, et j'ai donc Jules, avec des membres, qui m'appelle sur mon téléphone, il me dit, je suis avec Monsieur le V12, machin, et tout ça, connecte-toi. Donc je le rajoute, évidemment, à un ami pour voir qu'est-ce que c'est que cette connerie encore qui est en train de me... cette supercherie, comme dirait Rickshaw, qui est en train de me fonder. Et ben en fait, il s'est avéré quand je le rejoins dans la salon, donc... et je le vois, j'arrive, je vois Monsieur le V12, je vois U par rapport à PlayGeek, je connais pas, quoi, enfin voilà. À titre personnel, ça m'a fait ni chaud ni froid, je vais pas vous faire... super et tout machin. Ça m'a fait en fait une satisfaction personnelle parce que je me suis dit en fait rien n'est inaccessible tout simplement, et c'est ça qu'il faudra retenir de cette vidéo en fait tout simplement. Oui, bien sûr, la vidéo c'est un petit buzz entre guillemets si on veut, mais ce qu'il faudra retenir, pourquoi j'ai fait ce commentaire, c'est juste pour démontrer à tous les jeunes joueurs en fait, à démontrer à toutes les teams qui se créent chaque jour. Je sais qu'il y a des millions de teams qui se créent par jour. Il y a des mecs malheureusement qui se prennent tous pour des phénomènes et tout ça, qui font 50 frags dans une partie, ils croient que ça y est, c'est les nouveaux V12, c'est les nouveaux Gotaga, etc. C'est des conneries. Ce qu'il faut savoir, c'est avoir une vraie structure. Si vous voulez que votre team marche, soyez soudés entre vous, soyez cohérents dans vos démarches et sachez ce que vous faites en fait dans vos projets pour l'avancement de votre team en fait. Parce que individuellement, je vais vous dire, c'est très difficile de réussir. Quand vous êtes un joueur individuel, quand vous arrivez déjà dans YouTube, je sais qu'aujourd'hui YouTube c'est la grande folie, que tout le monde veut faire 1 million d'abonnés, etc., etc. Ne soyez pas non plus à la recherche du bonheur rapide, parce que ça sert à rien, parce que les mecs, il faut qu'ils vous aiment aussi pour ce que vous faites. Vous avez des abonnés qui vont tout simplement venir s'abonner parce qu'ils vont apercevoir Dragon Slayer, si c'est Wayne, ou Rickshaw, ou Alexandre, ou Baki, qui vont apercevoir sur des compétitions officielles, donc automatiquement ils vont voir la team MB13, ils vont rechercher la chaîne, ils vont venir s'abonner pour tout simplement parce qu'ils ont admiré ces joueurs-là. Ils jouent contre eux, ils peuvent faire plier, ils ont trouvé fort, vice versa. D'autres qui vont venir s'abonner tout simplement par rapport à certaines d'entre nous qui commentent ou certaines vidéos qui les intéressent, etc., etc. Donc, je pense que YouTube, quand même, il y a Suchemo Lapinou, il avait dit quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire YouTube, c'est quand même une grosse pute. Je tiens à le dire, sans faire l'amalgame, parce que je m'arrête, ou parce que blablabla et tout ça. Genre, moi, personnellement, à titre personnel, j'en ai rien à tirer. Pour certains qui me connaissent pas, parmi les abonnés, évidemment, vous allez vous douter ou faire des commentaires pas très sympathiques ou quoi, c'est pas grave, moi je suis pas contre la critique. En tout cas, les gars qui sont dans la team, ils savent que je mens pas, c'est la stricte réalité que je dis. Ne courez pas comme ça derrière YouTube à avoir beaucoup d'abonnés, etc., etc. Ça se fait petit à petit. Si ça doit se débloquer, ça se débloquera. Si les gens ils vont vous aimer, ils vous aimeront sur le long terme, etc., etc. Ne croyez pas que du jour au lendemain vous allez devenir comme Diablo X9 ou M. V12, parce que ces mecs-là, quand même, ça fait
Je veux pas être forcément, et moi, à titre personnel, moi, je veux dire honnêtement, je suis pas une grande fan de certaines attitudes de certains gros youtubeurs. Moi, je veux pas polémiquer, je veux pas rentrer dedans. Je suis pas fan. Moi, personnellement, à titre personnel, voilà, je kiffe beaucoup Wartek, parce que Wartek, voilà, c'est le mec. Il prend les choses à la cool. J'aime bien le boulot qu'il fait, parce que voilà, c'est le mec, c'est le beau gosse, machin, il fait ses trucs et tout ça, c'est le sniper et tout. Il se prend pas la tête, il fait son pain, il fait sa gamelle. J'aime bien comme il a fait ça, justement, sa gamelle, à la différence de d'autres. Gotaga, c'est plus particulier, parce que Gotaga, pour moi, c'est vraiment une tueur. J'en ai déjà parlé dans le passé, pour les gros youtubeurs. Je trouve que Gotaga, voilà, c'est le mérite qui lui revient, c'est tout simplement son talent. Et ça aussi, vous devez, justement, grâce à votre talent, en prouvant à travers les compétitions et tout ça, vous faire un nom. Et lui, en fait, c'est le parfait exemple, ça, j'en ai déjà parlé. Après, voilà, je sais que Diablo X9, un peu, si vous voulez, c'est l'homme qui a tout lancé, on va dire. Et tout ça, derrière, il y a Monsieur le V12, qui est Karim, donc, qui a suivi, qui a été, voilà, la suite et logique de Diablo X9. Mais après, je trouve que, quand même, bon, c'est des mecs qui ont un certain âge, quand même, et tout ça, enfin, surtout pour Karim qui a 30 ans passé, et tout ça. Je trouve quand même que, je sais qu'ils ont plein de demandes, ils reçoivent plein d'invitations, plein de trucs d'amitié, plein de ouais, fais-moi ci, fais-moi le buzz, machin, blablabla, etc. etc. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, vous allez me dire, ouais, mais le mec est en train de commenter une vidéo de lui, machin, tout ça. Je suis pas en train de commenter une vidéo, genre, parce que je suis super content, ouais, machin, la vidéo de V12. C'est juste pour démontrer que quand vous montez une structure sérieuse, vous montez quelque chose de bien. Bien sûr qu'un jour vous pouvez jouer avec vos idoles, bien sûr pour certains, parce que moi personnellement, voilà, c'est pas mes idoles ni quoi que ce soit. Moi je préfère chaque fois des mecs qui vont justement se consacrer à des. Parce qu'ils ont la notoriété. Je veux dire, quand vous allez aider des jeunes joueurs, vous allez aider des gamins à réussir, si vous voulez, dans ce qui est leur rêve, parce que tout simplement ils sont admiratifs devant ces mecs-là. Je pense que ça va pas leur voler du pain de la bouche, juste en filant un petit coup de pouce de temps en temps à ces jeunes joueurs. Voilà, moi je pense que. Moi je me suis, depuis que j'ai fait la team, je me suis toujours battu pour ça. Je m'arrête au jour d'aujourd'hui parce que j'ai saturé, j'ai besoin de faire une pause. Et d'ailleurs, ça prouve, parce que je suis pas à la recherche de quoi que ce soit. Moi, j'ai boxé pour mes joueurs. J'ai fait en sorte que les garçons, ils ont une structure pour un avenir, pour se construire. Et je suis persuadé que la MB13 va atteindre les sommets dans d'ici un an, 2 ans, voire peut-être plus, mais il faut pas être pressé pour ça. Mais atteindre des sommets, c'est pas forcément pour les mêmes raisons que certains recherchent. Moi, quand je parle d'atteindre les sommets, c'est justement d'être respecté dans un monde qui est difficile, où il est difficile de se faire respecter et se faire respecter pour de véritables valeurs. Voilà, je pense que Monsieur le V12, il pas content parce que il s'est fait voler le drapeau par un TMB13. Bon, c'est évidemment, c'est pour rigoler que je suis pas. C'était même fun quand même. Voilà. Donc, là on voit, j'arrive pas à retenir son pseudo, notre nouveau joueur. J'ai du mal, désolé, je l'ai pas côtoyé. Voilà, moi je trouve qu'ils peuvent fournir quand même un petit coup de main. Moi je vous donne, je sais pas pour m'envoyer des fleurs, mais je vais vous donner un exemple. Je veux dire, la team, ça fait 10 mois qu'elle existe, pour la petite structure que c'est. Je veux dire, c'est pas. Je dirais 10 mois en arrière, on n'existait pas, quoi. C'était rien du tout. Au jour d'aujourd'hui, on a un petit peu de notoriété. C'est pas non plus le paradis, mais voilà. Mais bref. On fait les choses à notre façon, on avance à notre façon. Je veux dire un truc, quand vous voyez qu'à notre petit niveau, on arrive à organiser des concours, je veux dire, on n'a pas 1 milliard d'abonnés, on n'a pas ceci, cela, on arrive à organiser des concours avec des Call of Duty Ghost à gagner, des saisons pass à gagner, des manes, des gens pass, enfin, des DLC et tout ça. On le fait pas, on le fait tout simplement pour montrer déjà qu'on est sérieux, qu'on n'est pas des cons, que je sois pris au sérieux. On n'a pas de sponsor, on n'a pas de partenaire, je veux dire, on n'est pas là avec Burn Controller ou Scuff ou autre. Et je le souhaite d'ailleurs aux garçons parce que je sais qu'ils vont y arriver, les partenaires, les sponsors, ça va tomber petit à petit, mais grâce à ce qu'ils réussiront éventuellement en compétition, pas parce qu'ils vont commander des vidéos sur YouTube, je vois pas le mérite en fait, tout simplement, moi, pour moi, le mérite, ça vient à Gotaga parce que Gotaga, voilà, c'est sportif pour moi, c'est sportif, c'est tout simplement un compétiteur, c'est vrai. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que courir derrière des choses, mais juste pour les avoir, ça ne sert à rien.
Cette vidéo, d'ailleurs, elle démontre une chose, parce que là, vous êtes en train de voir jouer, justement, sur le V12. Tu vas peut-être forcément pas apprécier non plus la vidéo, parce que voilà, c'est pas du gameplay extraordinaire. Je veux dire, ça montre que c'est... Bon, lui, c'est le premier à répéter toujours que c'est un joueur modéré, c'est pas un extraterrestre non plus. Très bon niveau, attention, ouais, parce que moi, j'ai pu le constater quand on a fait la partie privée. D'ailleurs, on a fait partie privée, Caillou et Bâton, bon, c'est parti en couille, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, après, il a dissous le groupe. On a fait la partie au snipe et tout ça. Attention, au snipe, il est très très bon. Je tiens à dire, j'ai vu qu'il avait au dessert, il avait 4 de ratio et tout ça. Il gère et tout ça. Mais quand je vois, moi, par exemple, le joueur qu'on a dans la team, par exemple, je vous donne l'exemple, le joueur qui vient de rentrer dans sa propre team, U8 par Play Geek, eh ben, je l'ai trouvé 100 fois plus fort que lui. En fait, je veux dire, quand on le voit, le mec il gère quoi, il fait son truc. Je l'ai trouvé au même niveau que certains joueurs que nous avons dans la team, mais ce que j'appelle des monstres, je veux dire les fameux monstres qu'on a. Je veux dire, quand je vois jouer un mec comme Rixou ou Jedi, Wish ou Alexandre ou Meji, ou enfin j'en passe, j'en oublie, je m'en excuse. Voilà, il y a une extraordinaire quoi, hein. Quand le mec on le voit jouer, je sais pas, voilà, c'est pas bien, hein. Je veux dire, si sûr vous allez jouer contre Tringotaga, vous allez vous faire vraiment, vous allez vous faire mal, vous allez vous prendre un mur. Mais voilà, c'est pas... Moi ça m'a pas impressionné personnellement, voilà, donc je tiens à le dire. Autre chose, donc là j'avais promis des membres, il doit être vachement content. Je vais me permettre de boire mon petit café quand même pendant la commentary. Et m'allumer une petite cigarette quand même, parce que... C'est ma dernière et sans ma cigarette, c'est pas possible. Et justement, un petit coucou à mon petit jeu là, Démarron, pour la simple bonne raison, parce que pour l'instant il n'avait pas de. Et je me suis dit, putain, mais c'est vrai que je suis jamais dans les vidéos et tout ça. Et je disais en même temps, à l'époque, je faisais de la merde, donc c'était pas forcément terrible pour qu'on fasse des commentaires. Et ben là, je peux vous dire un truc. Primo, parce que bon, déjà chapeau, et parce qu'il est avec le V12 dans la vidéo et tout ça, je lui dis c'est couille, parce que c'est quand même un garçon qui s'est tué depuis pas mal de temps pour la MB13, depuis quasiment le début, en fait, tout simplement. Et je tiens quand même à dire un petit clin d'œil à Ek, parce qu'il s'est vachement meilleur au snipe, et c'est devenu carrément un des meilleurs de la team MB13 au niveau snipe. Je tiens à le dire, je le dis haut et fort dans la vidéo. Que ça en déplace à certains. Il y a quand même, c'est le seul joueur qui peut se. Là, on passe à la recherche de map, donc on a reçu le down. Donc là, regardez, je fais exprès de bien montrer. Vous pouvez zoomer dessus pour voir que c'est bien la TNT, V12 et compagnie. Donc, je tiens à dire quand même que c'est le seul au jour d'aujourd'hui qui peut se vanter à la M13 de se dire et j'ai pris Inox Red Bull en tête à tête et je l'ai battu. D'ailleurs, Inox a réagi selon ce que j'ai entendu. Voilà. Bon, enfin, c'est juste pour dire ça. Donc voilà, mon petit, tu voulais être sur YouTube, mais je pense que tu vas être dans une des meilleures quelque part des vidéos de YouTube, parce que tout simplement, bon, c'est ma dernière, donc ça va automatiquement faire parler, bon, enfin, du moins ceux qui m'apprécient et ceux qui aiment bien mon travail. Évidemment, tout simplement, parce qu'il y a quand même le grand Manitou, Maître Yoda, Monsieur le V12 dans la vidéo, donc voilà. Que dire d'autre? Donc là, voilà, bon, là, il joue, c'est quoi qu'il a comme arme, je crois que c'est la type 1. Qu'est-ce que j'arrive pas avec le... Ah non, c'est ouais, d'accord, putain, c'est arme, j'ai du mal avec cette arme. Donc là, on se retrouve sur Mildon. Après, à la fin, je crois qu'on va se finir. Non, c'est la dernière, c'est là, on a fait Standoff, on a fait Meld Slums, et là on est sur Mildon, donc c'est la dernière, donc c'est les 3-3 gameplay que je propose avec Monsieur le V12, Ikdemom, le petit nouveau, je m'en excuse, que j'arrive pas à retenir ton pseudo, et puis Parapa Play Geek. Voilà, donc 3 parties en ligue. Je suis resté exprès évidemment sur le gameplay du V12 pour qu'on voit un petit peu sa façon de jouer et tout ça. Bon, évidemment, le mec il joue en mode décontracte, hein, je veux dire, il joue pour le fun, et voilà, il prend de la tête, donc et tout ça. Donc on le voit dans la vidéo, le mec il est pas en train de tenter un gros gameplay ou je sais pas quoi. Voilà, il la joue tranquille. D'ailleurs, ça a été sympa en partie privée parce qu'on a bien déliré.
Dommage qu'il était un petit peu tard, hein, qu'on n'avait pas les micros pour certains pour discuter. En tout cas, c'était super rigolo. J'ai pas pu vous proposer ces gameplays-là, en fait, dans la vidéo, tout simplement parce que c'était Karim l'autre, et que moi, c'était pas des parties enregistrées, donc du coup, je pouvais pas les récupérer. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin de la vidéo, j'ai pris deux, trois petites photos quand même, pour montrer en plus des vidéos que c'est bien lui, hein, que c'est pas des conneries, hein, comme souvent on peut voir sur YouTube, ouais, on met exprès non, des youtubeurs, tout ça, pour faire le buzz sur la vidéo et tout ça. Moi, je tire le GRS, c'est pas pour faire un buzz ou quoi que ce soit, même si ça va être automatiquement, ça va le faire, hein, je vais pas faire le faux cul, mais c'est pas pour faire le buzz ou quoi que ce soit, c'est tout simplement parce que voilà, il y a, par exemple, Big Demon, qui est fan du monsieur le V12, il a eu la chance, qui est admiratif, comme parmi d'autres qu'on a dans la team, hein, qui admire lui ou d'autres youtubeurs, qui a eu la chance quand même, le Minot, de se retrouver dans une partie avec, dans plusieurs parties avec lui, il a fait quand même sa connaissance. Bon, après, il y a un truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est que voilà, je veux pas vous cacher, moi, ça me pète les couilles un petit peu, c'est-à-dire, il a demandé à un ami, je veux dire, voilà, ça va, mec, tu es un gros youtubeur, machin, pas t'es un couffin, tu es le big boss, je veux bien, il n'y a pas de souci. C'est des gosses, tu vois que je sais qu'il y a un milliard de mecs qui vont le demander à un ami, évidemment, il va pas accepter tout le monde. Mais là, quand même, il a vu que c'est un truc sérieux, c'est pas des conneries, le gosse, il est fan et tout ça. Qu'est-ce que ça t'emmerde de le prendre dans tes amis? Je veux dire, qu'est-ce que ça t'emmerde? Tu as la place pour 100 personnes, qu'est-ce que ça te fait? Bon, je vais pas faire la polémique au-dessus, c'est pas grave, je m'en fous. Moi, de toute façon, je tire ma révérence. Et comme ça va pas mal de monde dans la team, j'ai jamais léché les miches à personne, et je le ferai jamais. Bien sûr que, comme tout le monde, il faut être malin dans la vie, il faut profiter que de certaines opportunités quand on en a. Bien sûr que je l'ai fait, évidemment, c'est pour ça, grâce à Sauvage et moi-même, la team, et grâce à tout le monde d'ailleurs, je tiens à le dire principalement parce que nous, pendant 10 mois, 24 sur 24, on s'est tués pour que justement les garçons, ils aient un avenir. Et d'ailleurs, maintenant, je vais parler des garçons, on a fait le petit tour des youtubeurs et compagnie, mon avis personnel dessus, parce que c'est ma dernière, je tenais un petit peu à m'exprimer dessus. Je souhaite vraiment le meilleur aux garçons. Sachez qu'on sera toujours là quand vous avez besoin de nous, de conseils ou de quoi que ce soit. Donc, je tiens à le dire. Attention à la prochaine manche. Il faut savoir une chose, c'est que voilà, les garçons, aujourd'hui, on leur a laissé la team à bras ouverts, parce qu'on a grandement confiance en eux, et que justement on sait que c'est eux qui vont faire perdurer la chose et qui vont faire en sorte que la team vraiment explose dans les années à venir, qu'elle soit connue, qu'elle ait sa renommée. Pour diverses choses, évidemment, que ce soit au niveau YouTube, que ce soit au niveau compétitif, que ce soit aussi ce qu'on leur a inculqué depuis le début, avec Kimpachi, avec Sauvage, Lucho, José, GTO Black, évidemment on est tous toujours là, hein, les présents, les vieux de la vieille, mais voilà, plus en mode retraité on va dire. Voilà, qu'ils sachent une chose, qui fassent les choses de manière naturelle et simple. Là voilà, juste pour vous dire que voilà, les trois gameplays de V12 des mômes, ils ont touché à leur fin. Là je vous ai balancé une petite vidéo de moi pour tirer ma révérence, entre guillemets, au snipe. J'avais fait un petit 1v2 contre Sullivan et José. Donc c'est vraiment du pour le fun là, que j'ai mis à la fin. C'est ma dernière, donc je me suis permis de mettre une petite vidéo de moi, chose que j'avais pas fait par le passé. Là j'ai mis d'ailleurs un sale truc à José. Sullivan, il se prend pas mal de jumps dans la partie. Voilà, on va pas tarder à arriver à la fin de la vidéo. Je souhaite vraiment le meilleur. Comme j'ai répété précédemment, on est là. Si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de quoi que ce soit, on sera toujours là. Il n'y a pas de soucis, vous pouvez compter sur nous. Mais voilà, nous, il faut comprendre une chose, qu'on a été obligé d'arrêter. Parce que bon, après, c'est vraiment les peurs de famille. Trentaine, on n'a pas forcément entre le travail, entre nos vies actives, notre vie de famille et tout ça, le temps là, il s'est pris encore un sale truc Sullivan, malheureux Sullivan, on n'a pas forcément le temps qu'on a consacré justement jusqu'à maintenant, parce que ça a été vraiment
C'était vraiment de la gestion quand même. J'ai géré plus de 250 joueurs, les caractères de chacun, le forum, le site internet, la chaîne, les Facebook, les Twitter, répondre à la demande des nouveaux, répondre à la demande des anciens, gérer les prises de bec, etc., etc. C'est une grande famille, hein, c'est ça qu'il faut savoir. Donc voilà. Sachez que moi, je vous remercie vraiment tous. Mais vraiment, vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Je parle en toute sincérité, franchise, sans aucune hypocrisie, en toute franchise, jusqu'au bout. Merci à toute la team, merci à tous les garçons, merci à tous les abonnés, merci à toutes les personnes qui nous suivent et qui nous continueront à nous suivre. Pour moi, voilà, c'est la fin des haricots, j'avais déjà. Moi, maintenant, voilà, quand je vais jouer, ça va être vraiment pour le fun. Un petit peu du Call of Ghost, le nouveau quand il arrivera. FIFA, GTA, que j'attends beaucoup. Voilà. Je vous dis un grand merci. Voilà, je vous mets les statistiques à la fin de FIFA 12. Donc, des photos que j'ai pré-clichées pour que vous puissiez voir jusqu'au bout que c'était pas un fake, que c'est bien lui. Je vous dis un grand merci. C'était Ryu. Merci à Sauvage. Merci à toute la team. Et puis, je vous dis bonne route à vous tous. Et surtout, n'oubliez pas, restez vous-même et ne vous prenez pas la tête et cherchez pas le pesant d'or à tout prix. Faites les choses sincèrement et c'est comme ça. Et c'est de cette manière-là que vous réussirez. Ciao, ciao!